Yo, what's up, c'est Elite. Aujourd'hui, on va parler du DLC Saint-Valentin qui va débarquer d'ici 2 semaines sur GTA. Donc, à la suite du DLC qui est sorti cette semaine avec les 2 véhicules customisables, on a pu trouver des éléments dans les fichiers sources concernant ce futur événement qui arrivera le 14 février. Donc, comme les autres années, on a la confirmation sans grande surprise que nous retrouverons la Albany Roosevelt, mais cette année avec des possibilités d'évolution et de customisation, à savoir que c'est tout de même l'un des 3 véhicules les plus appréciés de GTA, contrairement aux apparences. Ce sera donc le moment d'en faire l'acquisition pour la coquette somme de 982 000 $, donc c'est sûr, c'est pas rien, et à titre de comparaison, c'est tout de même presque le prix d'une Adder. Qui on peut pas du tout comparer niveau puissant, je veux dire la Adder c'est au moins 15 fois plus puissant les gars. Et donc tout ça pour dire que c'est vraiment très très cher, et il est compréhensible que ça soit vraiment un gros frein à l'achat pour certains quand il faudra sortir les sous du porte-monnaie virtuel. Grâce aux recherches des modeurs et des hackers, on a pu trouver également des vêtements du style des années 30 dans toutes les boutiques qui seront disponibles vraiment partout. On y retrouvera des caleçons, des gilets, des chemises, des chapeaux et aussi des robes pour les personnages féminins. Rockstar aura pensé à tout le monde comme ça, pas de jaloux. Et on finit également par apprendre que certaines nouvelles actions devraient être disponibles pour les personnages dans le menu Select. Et ces derniers devraient être tous en relation avec la Saint-Valentin évidemment. J'attends donc pour ma part de voir si Rockstar va savoir nous surprendre ou non, et s'ils vont faire de l'originalité ou pas. Donc dites-moi en commentaire vraiment les petites idées de mimiques que vous auriez pour les personnages dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et concernant mon pressentiment à moi, je verrais bien un ou deux nouveaux klaxons au Los Santos Custom. Je crois vraiment ce que j'ai, je pense vraiment que ça va arriver. Pour remplir un peu plus ce DLC et l'étoffer un peu plus, je trouverais ça plutôt cool. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous ai mis la liste des codes sources dans la description, comme ça vous en saurez un peu plus. Et si vous partagez la vidéo, vous pourrez impressionner vos potes en faisant de la prédiction concernant ce futur événement. Donc j'espère que t'as kiffé la vidéo, si c'est le cas, fais-moi le savoir en lâchant ton pouce bleu. Là c'est vraiment la dèche en termes de statistiques. Alors aujourd'hui, sur cette vidéo, grosse annonce, tous ensemble, on atteint les 50 likes à tout prix. Pourquoi pas mettre un commentaire et partager la vidéo pour informer tous tes potes comme je te le disais avant. Et tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait, que tu n'es pas encore un perroquet. Et moi je te dis à très bientôt, ciao.